Bienvenue chez D+ Design. Bonjour, je m'appelle Alessandro Dati. Ça, c'est ma boutique D+ Design. Je vends du mobilier, des luminaires vintage qui couvrent les années 40 aux années 80 environ. Je suis ouvert depuis 2003, mais je suis dans les quartiers du Marolles au moins depuis 20 ans. Et dans ma boutique, je propose du mobilier, mais aussi beaucoup du luminaire du monde entier, mais avec pas mal de luminaires en verre de Murano, donc Venise. Et j'ai beaucoup d'objets signés et non signés, mais tout est d'occasion, de bonne qualité. J'ai tous mes objets partout. J'ai beaucoup de contacts en Italie pour tout ce qui est luminaire. Et donc, on peut, les antiquaires, ils achètent soit online, soit sur des brocantes, soit chez des particuliers. L'avantage avec un magasin, c'est qu'il y a des particuliers qui viennent vers moi pour me proposer des objets à vendre quand ils vident les maisons, il y a une succession. Et donc, on chine un peu partout. Et ma boutique était une des premières boutiques dans les quartiers du Marolles à vendre du mobilier et luminaire du XXe siècle. Ma spécialité, c'est un peu le luminaire. Les gens viennent chez moi parce que j'ai un bel choix en luminaire, que ce soit pour les plafonds, des lampadaires, des lampes à poser, des lampes de bureau. Ce qui est sympa dans mon métier, avec une boutique bien placée, c'est que parfois j'ai des célébrités qui viennent acheter chez moi, comme La Cotillard ou François Damien. Paul Ward, et on voit un peu tous les grands noms, les grands stars du cinéma. Sympathique de les voir en vrai et interagir avec eux. Donc j'ai eu la chance de connaître Cool Core, c'est un artiste graffiti qui a démarré sa carrière aux États-Unis avec Keith Haring, à l'époque de Andy Warhol, Basquiat. Et il habite en Belgique et c'est devenu un copain. Et il m'a proposé de faire une grande fresque sur le mur extérieur de ma boutique. Ça vaut la peine de faire les détours au Marolles que pour ça. J'espère de vous voir bientôt dans les quartiers. C'est très agréable, surtout les samedis, dimanches. La plupart des quartiers sont fermés, les boutiques sont fermées, mais notre quartier des antiquaires et galeristes est ouvert tous les week-ends, les jours fériés. Et donc, il ne faut pas, surtout pas hésiter à faire une belle promenade, découvrir ou redécouvrir les Marolles.